Comment l'entrepreneuriat social peut-il changer d'échelle, Jean-Marc Bouy? Aïe. Et c'est marrant, mais en fait, je crois que la réponse est essentiellement psychologique et culturelle. Il faudrait déjà que les gens du monde des ONG, du monde de l'économie sociale et solidaire, enfin du monde des nouvelles économies, arrivent à croire qu'ils sont l'alternative, d'une part, et arrivent à croire qu'ils sont porteurs d'innovation sociale, qu'ils sont porteurs de neuf, qu'ils ont les moyens d'être gros, grands, développés, et qu'ils ne sont pas dans une logique de citadelle. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas très aidés, pour l'instant, par les structures classiques de l'économie sociale. Mais je crois que c'est en train de changer beaucoup. Je crois qu'avec les pôles territoriaux de coopération économique, avec tous les réseaux qui se créent, avec les plateformes en tout genre, je crois que c'est en train de bouger, mais il faut un peu plus de révolution que ça. Ouais, d'accord. Merci beaucoup.